c'est quoi un mec irrespectueux pour vous? Bah, qui insulte sa meuf, tu vois. Ouais. Enfin, qui insulte, genre, pas pour rigoler, hein, genre vraiment des vraies insultes. Bah, oui, t'as dit irrespectueux ou respectueux? Non, irrespectueux, ouais. Ah, mon ex vous présente le mec irrespectueux en personne. Il a faisait quoi ton ex? Mais c'est un malade mental. J'espère que tu tombes là-dessus, il était un malade mental. Il faisait quoi? Bon, il m'interdisait tout, il pensait qu'il avait le droit sur tout et c'est un malade mental quoi. En fait, il voulait te contrôler. Ouais, voilà. Ouais, en fait, quand la personne elle te contrôle mentalement, déjà. Non, et il a un réel truc pour contrôler dans la tête. Mais je t'ai eu. Il est mentaliste. T'imagines, il voit ça, la honte. C'est de la violence psychologique. Ouais, ouais. C'est ça en fait, ça c'est le pire, je pense. C'est quoi un mec irrespectueux pour toi? Tous mes anciens flirts. Ah, ils faisaient quoi? Bah, je sais pas, genre pour moi, genre c'est des gens qui mentent et tout. Genre, des gens, je sais pas, ils peuvent pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, de je sais pas, de mentir, mais droit dans les yeux, qui se reprochent rien du tout. Mais quand tu fais un truc. Ouais, c'est ça. Déjà, ils se reprochent rien à eux, et quand toi tu fais ce qu'eux ils te font, là ils sont pas contents. Ouais. Ça, c'est insupportable. Et c'est toujours de ta faute et tout. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Oh là là, mon dieu. Mérite des baffes. Oh là là. Et qui va parler à plein de meufs. Qui est pas fidèle, ouais. Tout simplement. Ouais, en plus les mecs sont pas trop fidèles aujourd'hui, tu penses, ou pas trop. C'est ouais. Ça, ouais, ouais. D'accord, et toi? Moi, un mec irrespectueux, bah, c'est un mec qui va tout simplement pas respecter sa meuf, hein, qui va être... qui va parler à une tonne de meufs en même temps, qui va pas rester sur une seule, qui va peut-être se déconcentrer, tout ça, je sais pas. C'est... Ouais, il arrive pas à rester seul au cas où il te perd, comme ça il y a d'autres filles en deux secondes. Ouais, voilà, c'est ça, enfin, et qu'il a des plans de secours, tout ça, ouais. C'est... Ah, c'est pas... ça, il y en a beaucoup qui font ça. Malheureusement, ouais, c'est pour ça. un mec qui... qui fait pas attention à l'autre, qui ne prend pas en considération les choix de la personne en face. Ouais, ses besoins et tout. Ouais, et tout pour ouais. Toi, ouais. Ouais, ouais. D'accord, et toi? Moi, c'est qui respecte pas nos valeurs, notre personnalité, qui ment, qui trompe. Ah ouais. La base du mec d'aujourd'hui, quoi. Ah, exactement. Super. Moi, bah déjà, c'est quelqu'un qui t'écoute, qui t'embrouille pas tous les jours, qui comprend, enfin, qui te laisse sortir, qui te laisse vivre, en fait. D'accord. Ouais. Et irrespectueux pour toi, ça serait quoi? Quelqu'un déjà qui t'énerve tout le temps, qui te laisse pas trop sortir, qui te retourne contre tout le monde, etc. Ah ouais, qui contrôle ta vie, tes amis et tout, un petit peu. Ouais. C'est du vécu? C'est ça. Non, pas du tout, mais je connais quelqu'un. Ah ouais, du coup, c'est chaud un peu et tout. Ouais. Bah surtout, ça fait partie de ma famille, donc. Ah ouais, du coup, c'est dur et tout, tu la vois un peu sous emprise et tout. C'est ça. Ah ouais, c'est pire que l'ambiance physique, je pense. Ouais. Exactement. Parce que ça se voit pas. Et tout. Ouais, c'est exactement. Exactement. Faites le pavement narcissique. Je sais pas exactement, mais en mode, c'est qui essaye de contrôler tout. Déjà, j'ai vécu ça de ouf. Ah ouais, c'est mort maintenant. J'étais dans une relation comme ça. C'est tout, genre, qui peut faire une relation un peu toxique. Ah ouais, ça c'est mort. Ça c'est mort direct. C'est mort dans le film. Ouais, genre un mec qui va t'insulter, te contrôler si tu sors ou pas et tout. Tout ça. Déjà... Comment tu t'habilles? Ouais, j'ai eu une relation vraiment comme ça. Genre une relation toxique de ouf. Et c'est tout ça, c'est tout un mec respectueux comme ça. Et toi pour toi? Un mec respectueux pour moi, ça... Non, irrespectueux. Ah, irrespectueux. Ouais. Qui te laisse pas sortir, qui te traite mal, qui te choisit comment tu t'habilles, comment tu vas sortir, avec qui. Tes amis, qui te fait pas confiance, et voilà quoi. Et C'est quoi pour toi traiter mal, comme t'as dit. Traiter mal. Si t'as des exemples. Te parler mal, genre te parler mal, t'insulter, des choses comme ça. Mais ça peut partir loin ces histoires. Mais moi, je trouve que c'est un mec irrespectueux faire d'accord. Ça. Qui nous traite comme un objet, qui prend pas en compte la personne qu'on est. Faut m'aider là. Ouais, bah, je sais pas, c'est un mec genre qui prend pas en compte le fait de ce qu'on veut nous, genre qui nous impose à nous sa volonté, genre. Qui est oppressant aussi. Ouais. Enfin, ça c'est pas vraiment de l'irrespect en soi, être oppressant. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, quelqu'un d'égoïste, je trouve que c'est. Ouais, pas qui trop pense qu'à lui plutôt qu'à deux et tout pour vous. Et toi? Non, pour moi, un mec respectueux, c'est un mec qui respecte pas sa femme. Enfin, genre, il te parle mal, mais genre sans faire exprès. C'est sa personnalité, il est comme ça. Il a l'habitude. Ouais, voilà. Enfin, les mecs de cité, je vous jure, ils parlent trop mal à leur femme. Genre, t'es ma femme va faire le ménage. Ouais, voilà, genre, hé, non, vas-y, toi-même, casse-toi. Genre, le mec, il est là, il bicrave, il vient. Il le balai. Tu lui dis, tiens. Ouais, franchement, moi. Franchement, les meufs qui sortent avec.
Les meufs qui sortent avec des mecs toxiques, faut qu'elles mettent leur place là, genre. Leur visage en place. Voilà. Pour montrer qui on est un peu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah, méprisant. Ouais. Méprisant. Violent. Qui va avoir le contrôle sur vous. Ouais, grave. Toxique, tout ça. Ouais. D'accord.